Mes amis, mon propos sera de vous inviter, chacun de vous, et moi avec vous, à ne pas être simplement les combattants de l'arrière-garde, mais à être dans les tranchées, dans cette participation à la vie des âmes défuntes. Je vais le dire autrement, à partir de la première lecture, dans le livre de Coëlette, de façon très imagée, le Seigneur nous invite à nous souvenir du Créateur avant que ne commence la proximité personnelle avec la mort. Il multiplie les images. Souviens-toi de ton Créateur au jour de la jeunesse, mais ceci vaut pour chacun de nous, même si nous avons dépassé l'âge de la retraite, avant que ne viennent les jours mauvais, qu'approchent les années dont on ira, je ne les aime plus, etc., etc., avant que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, ou pour le dire encore autrement, avant que les marches de votre escalier ne vous apparaissent trop hautes, etc., etc. Bien sûr, ce mouvement est tout simple. Lorsque la maladie nous saisit, chez nous ou autour de nous, la mort devient physiquement proche. Et je vais vous parler des soldats dans les tranchées de nos chers poilus. À ce moment-là, sauf à être d'une inconscience démesurée, eh bien nous nous mettons à nous tourner vers le Créateur, à penser à lui et à se dire que cette prière que j'ai faite pour les défunts, mon grand-père, mes parents, peut-être mes enfants, ce qui d'ailleurs est probablement le cas de chacun de vous puisque vous êtes ici, prière pour toutes ces âmes du purgatoire, me paraissait quelque chose qui ne me concernait pas directement. C'est légitime. Mes parents, par exemple, m'ont donné la vie. Il est légitime qu'après leur décès, j'aille régulièrement, surtout le 2 novembre ou le 1er novembre, prier sur leur tombe, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, c'est légitime, c'est juste. Je ne les oublie pas. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est autre chose, précisément. Vivre avec ces morts dans une proximité qui nous concerne, pas simplement leur rendre la monnaie de la pièce. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, être ceux de l'arrière-garde, de ce qu'on dit aujourd'hui la base arrière, loin finalement du front, c'est-à-dire de cette limite entre la mort et la vie, où à tout instant, je peux passer du côté de l'Éternel. Relisez cette première lecture de Coëlette, c'est exactement ce qu'ils veulent dire. Et ça vaut pour chacun de nous, parce que la médecine progressant, on nous a inoculé ce sentiment que nous sommes presque immortels. Nous ne sommes pas immortels, nous sommes éternels, ce n'est pas la même chose. Et cette proximité avec la mort, vivante, dans le mouvement de la vie quotidienne, nous est culturellement présentée comme du pessimisme, comme une sorte de maladie de l'esprit. Voilà pourquoi, du reste, nous, à la différence du Moyen-Âge, nous avons mis nos cimetières le plus loin possible de nos yeux. Tandis qu'au Moyen-Âge, dans la conscience de ce que je viens de vous dire, les morts étaient enterrés au milieu des vivants, ou les vivants priaient au milieu des morts, les cimetières encore autour de vos églises anciennes. Les morts étaient même enterrés à l'intérieur de nos églises à l'époque romane. Et donc, on venait prier, célébrer le Seigneur, là, en communion profonde avec eux. On était dans cette conscience d'être sur la ligne du front et que la mort faisait partie, excusez-moi de le dire ainsi, de notre vie. Et combien plus ce devoir de vivre avec lorsqu'il ne s'agit plus simplement de personnes qui nous ont beaucoup donné parce qu'elles nous ont donné la vie, l'amour, mais qui en plus ont donné leur vie pour nous. Il y a le Seigneur Jésus, c'est le Maître. Mais nos soldats, mes amis, ceux d'hier, ceux de 14, ceux d'aujourd'hui, qui meurent pour chacun de nous,
dans les tranchées de la Somme ou de Verdun, il y a 100 ans. Aujourd'hui, en Centrafrique ou au Mali. Ils ne meurent pas pour eux-mêmes, hein. Combien plus nous avons un devoir, non seulement de ne pas les oublier, mais de vivre avec eux. Deux petites histoires, peut-être, pour développer ce point. D'abord, un petit midrash d'un rabbin qui enseigne à son disciple la proximité de la mort. Et, croyant avoir compris, le disciple finalement interrompt le rabbi et lui dit « Oh mais maître, j'ai compris, au fond, ceux qui sont morts restent dans la même maison, mais simplement ils sont dans la pièce à côté. » Vous voyez l'image? Et le rabbin lui dit « Tu n'as rien compris, ils ne sont pas dans la pièce à côté, ils sont dans la même pièce, de l'autre côté, dans un autre coin, mais dans la même pièce. » Et je crois que l'image, la petite parabole, elle est très parlante. Est-ce que je considère ces morts pour qui je prie? Pour qui peut-être je fais des pèlerinages à Montlignon, et je vous invite à y revenir, n'est-ce pas? Sont-ils dans la pièce à côté, ou bien sommes-nous, nous, dans la même pièce qu'eux? Et puis, j'aimerais évoquer cette expérience qu'on a qualifiée comme étant la plus mystique de toute la guerre de 14. Et là, je vais être obligé, vous me le pardonnerez, de lire le récit d'un épisode qui est à la fois tout à fait héroïque. Nous sommes en 1915, en avril 1915, donc vous savez que nous sommes loin encore de la fin de la guerre qui s'est enterrée et qui a enterré aussi les espoirs que la guerre serait brève et que tout le monde serait retourné chez lui à Noël. La guerre qui commence le 3 août 1914 commence à pourrir sérieusement après le creusement des tranchées. Nous sommes en 1915 et ça va être les tragiques batailles de l'Artois par exemple. L'épisode se situe donc en avril 1915. Et nous le tenons, ce récit, de la bouche même de celui qui l'a vécu, le lieutenant Jacques Péricard, qui se décide à aller inspecter avec sa section une tranchée extrêmement proche de la ligne adverse, de la tranchée allemande. Voilà ce qu'il dit. La tranchée était pleine de cadavres français. Du sang partout, peu à peu, j'ose regarder ces corps, et il me semble qu'ils me regardent. Les boches redoublent d'efforts. Pardonnez-moi la petite note, à l'époque on appelle les Allemands les boches. Hein. Bon. Je me retourne vers les cadavres étendus. Je pense, alors, leur sacrifice va être inutile, ce sera en vain qu'ils seront tombés. Et les boches vont revenir, et ils nous voleront nos morts. La colère me saisit. « Oh là, debout! Qu'est-ce que... » Il y a un F. « Qu'est-ce que vous faites ?» Enfin, c'est pas le mot. « Par terre. Levez-vous et allons mettre ces cochons-là dehors. Debout les morts !» Coup de folie ? Non, car les morts me répondirent. Ils me dirent « Nous te suivons. » Et se levant à mon appel, leurs âmes se mêlèrent à mon âme et en firent une masse de feu, un large fleuve de métal en fusion. Rien ne pouvait plus m'arrêter, m'étonner, j'avais la foi qui soulève les montagnes. Par deux fois, les grenades nous manquent, plus assez de grenades emportées sur eux, et par deux fois, nous en découvrons à nos pieds des sacs pleins mêlés aux sacs à terre. C'était bien les morts qui les avaient mis là. Toute la soirée et pendant plusieurs jours qui suivirent, je gardais l'émotion religieuse qui m'avait saisie au moment de l'évocation des morts. J'éprouvais quelque chose de comparable à ce que l'on ressent après une communion fervente. Je comprenais que je venais de vivre des heures que je ne retrouverais plus jamais, durant lesquelles ma tête, écoutez bien, durant lesquelles ma tête, ayant brisé d'un rude effort le plafond bas, s'était dressé en plein mystère parmi le monde invisible des héros et des dieux. » Fin de citation. Ce récit a été souvent de fois repris tout au long de la guerre. Nous y sommes. Il ne s'agira plus là de faire mémoire de ces morts, de ces croix de bois qui vont être répandues de partout grâce aux aumôniers, soit dit en passant. Ils sont allés récolter les blessés, les cadavres pour essayer de leur donner une sépulture digne. Et il s'agit
de vivre en communion avec eux, le mot y est, et nous l'avons dans notre proclamation de la foi, la communion des saints. Nous pouvons vivre ainsi, et nous pouvons demander au Seigneur que notre tête, d'un rude effort, brise le plafond bas qui nous enferme souvent dans le visible, et pour certains d'entre nous dans le matérialisme, mais simplement dans le visible, alors que les âmes de nos défunts, bien sûr, appartiennent aussi à cet univers qui est, vous le savez, visible et invisible. Nous pouvons demander certainement cette grâce au Seigneur, de sorte que nous soyons aux avant-gardes, dans les tranchées de la communion des saints, pour mener cette lutte impitoyable que nous révèle l'Apocalypse, la lutte pour le royaume de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse très rapide. Nous avons tendance à vivre notre vie chrétienne comme étant l'accueil d'une plénitude d'amour à répandre autour de nous. Mais mes amis, notre Seigneur nous parle plus souvent de combat et de lutte que d'oasis en plein désert ou de petite île avec des cocotiers. Nous l'avons peut-être oublié, et toute la tradition chrétienne nous parle du combat chrétien, Paul le premier. Nous avons donc besoin de ne pas nous situer dans une atmosphère, une culture où la mort est proscrite comme une pente négative, même si, moi le premier, l'âge venant, je suis encore jeune, mais enfin, nous sentons bien la dégradation physique et nous y résistons. C'est un mouvement naturel, et cependant, pour mener cette mission qui consiste à faire de toutes les nations des disciples, pour mener simplement notre vie chrétienne, nous avons besoin de nous armer de nos compagnons morts, avec, sans qui nous ne pourrons pas mener jusqu'au bout la lutte pour le bien et pour l'amour. Et pour terminer par une note plus théologique, encore que, ayez regardé de près. Et si j'avais à vous demander ce qu'est la foi, dans son noyau ultime, je ne parle pas de toutes les pratiques, vous allez me donner des belles définitions de la messe, de tout ça. Oui, d'accord, la foi qui nous habite. Qu'est-ce que la foi, au fond? Les moyens pour vivre la foi, nous les connaissons, c'est autre chose, mais qu'est-ce que la foi? Ne serait-ce pas simplement, en fait, dans toute sa profondeur et toute sa justesse, ce qui nous permet de voir l'invisible et l'éternel dans le visible et le temporel. De reconnaître simplement que notre univers n'est pas enfermé dans ce que l'on en voit. N'est pas enfermé dans un temps qui passe, mais dans une éternité qui le porte. La foi ne serait-ce pas simplement ceci? Et si la foi n'est pas cela, alors est-ce que la foi ne serait pas simplement une croyance parmi beaucoup d'autres croyances? Et tous les hommes autour de nous ont des croyances, peut-être qu'ils croient simplement que c'est Wall Street qui mène le monde, bon, c'est leur croyance à eux, voilà, mais des croyances, il y en a de partout, n'est-ce pas? Alors que la foi, dans son étincelle, a soulevé Abraham, a soulevé Moïse, qui vivait, nous dit le récit de l'Exode, comme s'il voyait l'invisible. Alors, soyons de ces infanteries, des tranchées du combat surnaturel.